Après des études au conservatoire où il obtient un second prix de comédie en 1885, Duard débute comme comédien au théâtre de l'Odéon dans Le jeu de l'amour, le 29 août 1885. Après 11 ans passés à l'Odéon, il devient pensionnaire du théâtre impérial Michel à Saint-Pétersbourg en 1896 et y restera jusqu'en 1902, date à laquelle il revient à Paris. D'abord au théâtre de la Porte Saint-Martin, puis au théâtre Sarah Bernard jusqu'en 1906. Il fait son retour au théâtre de l'Odéon entre 1906 et 1908, sous les directions de Paul Ginisty et André Antoine, puis devient directeur de la scène au théâtre de la Renaissance, fonction qu'il occupera jusqu'en 1914. En 1915, il revient au théâtre de l'Odéon où il est nommé directeur des études classiques par Firmin Gémier.